Il est 19h sur Spectrum Télévision, c'est la même heure à Baganti, dans la région de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici quelques articulations. Forces de défense et de sécurité, les responsables de l'armée camerounaise nommés le 21 février dernier par le chef de l'État ont été installés ce jour à Douala par le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, Joseph Béti Assomo. En politique, c'est désormais un secret de polichinelle. Les listes des partis politiques devant concourir pour les sénatoriales de 2018 sont connues. La quintessence, voire pertinence, dans ce journal. Ce soir encore, nous poursuivons notre série consacrée à la Journée internationale de la femme qui se célèbre demain. À la veille de cette célébration, quelle est la tendance des prix dans les marchés? À découvrir également dans ce journal les portraits du sous-préfet de Garoua, 3e, et la directrice départementale EDECAM dans la MIFI. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous le disions en titre, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Béti Assomo, a présidé ce jour à Douala l'installation des responsables des forces de défense et de sécurité installés le 21 février dernier par le chef de l'État, chef des forces armées. Présentation des nouveaux venus avec Léla Rengganzeu. Général de division Salim Mamadou, premier commandement. Cette prise de commandement du général de division Salim Mamadou intervient après les décrets signés le 21 février dernier par le chef de l'État, chef des armées, décret portant réorganisation du commandement territorial. Ainsi, celui qui est depuis 2006 le commandant de la 2e région militaire interarmée reste à son poste, sauf que la Réunion 2, qui couvrait jusqu'ici les régions administratives du littoral, du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest, est reconfigurée. Elle ne couvre désormais plus que les régions du littoral et du sud-ouest. C'est donc dans ces deux régions administratives que devra concentrer toute son énergie l'officier général issu de la promotion 10e anniversaire de l'indépendance de l'école militaire interarmée du Cameroun. À côté de son installation, quatre autres personnels des forces de défense prendront également le commandement ce 7 mars à Douala. Il s'agit du général de brigade Tungé Elias, nouveau commandant de la 2e région de gendarmerie, issu de la promotion Rudolf Douala-Mangabel de l'EMIA. Officier général rompu dans le commandement territorial de la gendarmerie nationale, il occupait jusqu'ici les fonctions de commandant de la 4e région de gendarmerie. Le 3e installé est le capitaine de vaisseau Kinfag Ndormo Emmanuel, commandant des forces de surface. Tête bien faite sur le plan universitaire, l'homme né le 23 décembre 1966 à Chang est titulaire d'un Bachelor of Science et d'un Master 2 en stratégie défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes. L'armée de l'air sera également à l'honneur avec la prise de commandement du lieutenant-colonel Ngebaha George Christie, qui commande désormais la base aérienne 201. L'homme qui totalise plus de 3000 heures de vol est un expert en système de management, de la sécurité, de la sûreté et de la gestion des crises en sûreté de l'aviation civile. Et le dernier installé, le colonel Mbombo Cyriaque Patrice, est chef de division régionale du secrétariat d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre du littoral. Une mission qu'il connaît bien, puisqu'avant, il occupait la même fonction dans la région de l'Adamawa. À toutes ces personnes, il sera demandé de Joseph Béti Assomo une étroite collaboration avec la population comme un travail d'équipe. Elles devront par ailleurs veiller à ce que la discipline reste le maître mot dans les différents bataillons avec des sanctions quand besoin est. Restons toujours avec Léla Rengganzeu pour parler de cette 5e région militaire interarmée et qui a vu le jour après la scission de la RMIA 2, dirigée depuis 2006 par le général Salih Mouhamadou. Une zone plus circonscrite, voilà de quoi hérite de lui-même le général Salih Mouhamadou.
commandant la 2e région militaire interarmée, qui ne regroupe désormais plus que les régions administratives du littoral et du sud-ouest. En effet, certainement du fait de la crise anglophone, le chef de l'État, chef des armées, a jugé bon, en réorganisant le commandement militaire territorial, de créer une 5e région militaire interarmée, avec poste de commandement à Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest, l'un des foyers de tension de cette crise dite anglophone. Parce que très vaste, la Rémia 2 aurait certainement montré ses limites dans sa mission de contenir la crise. Besoin de plus d'efficacité, la nouvelle région militaire créée et dirigée par le général de brigade Agar Robinson a pour ressort territorial les régions du Nord-Ouest et de l'Ouest Cameroun. Se rapprocher un peu plus du théâtre des opérations, la dernière réorganisation de l'armée camerounaise avant celle-ci date de 2014, au commencement de la guerre contre Boko Haram. Aujourd'hui, il est question de gérer de façon plus efficiente et efficace une crise entamée en fin 2016 et dont les dernières tournures font état des tueries perpétrées dans les rangs des forces de défense, mais également de l'enlèvement des autorités administratives. Au moment où certains décrits ce constant besoin de réajuster l'armée camerounaise en fonction des attaques ou crises, il faut y voir également une volonté de mieux coordonner les actions des forces de défense afin de contrecarrer les dérives sécuritaires. Joseph Betty Assomo, après Douala, s'est rendu dans la capitale régionale du sud-ouest, notamment Boya, pour effectuer la même opération là-bas. Également, les responsables récemment nommés par le chef de l'État ont aussi été installés. Voici à ce propos la réaction du MINDEF. Il est au micro du Spectrum de Télévision. Avec toute l'énergie qu'il faut pour mettre un terme aux velléités et à la témérité des terroristes dans la localité de Togo, dans la zone de combat, dans la zone Mbamanfe, Lutsibangé et Kondo Tizi, et toutes ces poches d'attaque que nous avons également dans les départements de la Mémé, du Coupé Manoumouba et du Ndjan. Et je voudrais également vous demander d'observer strictement les consignes qui vous sont données par vos chefs. Les pertes que nous avons eues ces dernières semaines, pour la plupart, sont dus à la légèreté et à la violation des consignes élémentaires de sécurité par les hommes. Devons-nous faire des cadeaux de ces hommes à l'ennemi? Ces hommes qui quittent leur camp, leur base, à l'insu de leur supérieur. Du contrôle de la route à deux, tout seul. Vous faites du relâchement de la discipline, tel que nous avons commencé à le faire, le chef de l'État a commencé à le faire. J'ai bien peur que ce soit les chefs qui paient avant les hommes. Donc, retenez les hommes en main fermement, sans le moins d'état d'âme, pour que chacun réponde de la faute qui est la sienne. Nous le disions également en titre, la liste des partis politiques devant concourir au sénatorial 2018 est désormais connue. Cette liste a été rendue publique ce jour par le président du conseil électoral, le directeur du conseil électoral, Abraham Egbert. L'on apprend ici que des 42 dépôts, 5 listes ont été rejetées et le Social Démocratique Front a personnellement décidé de retirer sa liste dans la région du centre. Reportage.
9 partis politiques, 42 listes au total réceptionnées par Elections Cameroun pour les sénatoriales du 25 mars au prochain. En croire Eno Abrahams Egbe, le président du Conseil électoral, son instance a accepté 36 listes et en a rejeté 5, dont 2 du Social Democratic Front, dans les régions de l'Est et de l'Extrême Nord. Le parti d'Ofundi avait à la base déposé ses listes dans 8 régions, dont les 2 ci-dessus citées, et le littoral, l'Adamawa, le sud-ouest, le nord-ouest et l'ouest. Il faut dire que le Social Democratic Front a de lui-même retiré sa liste de la région du centre. Motif, dossier incomplet, renseigne Jean Tumelo, son secrétaire général. L'UPC également avait postulé avec 5 listes dans le sud-ouest, au nord-ouest, dans le littoral, l'Adamawa et le centre. Mais le Conseil électoral a rejeté ces dossiers dans 3 régions. L'Union des populations du Cameroun reste en liste uniquement dans le centre et le littoral. Pour le reste des partis politiques en liste, pour les sénatoriales, aucun changement. Cela dit, le RDPC et l'UNDP maintiennent leurs dossiers dans les 10 régions. Le FSNC au nord, l'UDP au nord-ouest, l'ANDP dans le littoral, à l'extrême nord, au sud et au sud-ouest. L'UMS reste fixe à l'ouest, l'UDC aussi à l'ouest et dans le littoral. L'on constate que la bataille pour ces sénatoriales sera rude dans la région du littoral avec 6 partis politiques en lice, RDPC, UNDP, ANDP, SDF, UDC et UPC. La région de l'ouest se positionne en deuxième avec 5 partis politiques en lice. En troisième rang, le nord-ouest enregistre 4 formations politiques. En outre, soulignons que le MRC de Maurice Kamto, candidat à la présidentielle d'octobre prochain, a décidé de ne pas participer à cette sénatoriale. L'objectif est clair, il se prépare à évincer le président Paul Biya, qui trône à la tête de la République depuis 35 ans. Et parlons à présent de toute autre chose. C'est la signature ce jour. Hein. On parle de, donc de c'est la signature des accords de financement avec les représentants de la Société Générale de Paris. Cet accord a été donc signé entre deux États. Tout d'abord, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire côté camerounais et celui de la France. On va tout simplement signaler que ces financements sont destinés aux projets de renforcement et de stabilisation des réseaux de transport et d'électrification de la ville de Douala. Le compte rendu, une fois de plus, avec Mireille Sabdier. Par ces accords qui viennent d'être conclus, la Société Générale de France accompagne le Cameroun dans le financement du projet de renforcement et de stabilisation des réseaux de transport d'électricité de la ville de Douala. Le projet bénéficiaire du présent concours porte sur la construction des réseaux de transport d'électricité, de desserte et de bouclage de la capitale économique du Cameroun par le groupe français Bouygues Energy and Services, ici représenté par son directeur commercial international. Il est question d'augmenter la capacité de transport en électricité en vue de l'accroissement de l'offre en énergie électrique pour ainsi apporter une réponse à la demande sans cesse croissante des opérateurs économiques et des ménages de la métropole économique du Cameroun. Le président de la République a voulu, son Excellence Paul Biya a voulu que l'énergie puisse porter le développement économique de notre pays. Dans une première phase, nous avons connu la réalisation d'importants projets pour la production, pour l'augmentation de la capacité de l'offre énergétique. Cette phase se poursuit actuellement dans la seconde par le renforcement et la stabilisation du réseau de transport. Le projet est porté par une enveloppe globale de 108,76 milliards de francs CFA, répartis comme suit: un crédit acheteur d'un montant de 91,88 milliards de francs CFA et un crédit financier d'un montant de 16,77 milliards de francs CFA. La spécificité du crédit acheteur couvre que la partie qui est exportable, avec une partie de la part locale également. C'est tout un mécanisme de couverture et donc il y a un certain montant qui est couvert par l'agence de crédit export BPI France Assurance Export, qui est donc la société, l'assureur crédit public de France. Et la partie qui n'est pas
couverte par Bpifrance Assurance Export, nous avons proposé une solution qui permettait de financer la totalité du contrat commercial. Le projet se décline en quatre composantes majeures, notamment le renforcement des moyens de transport d'énergie, la sécurisation et la fiabilisation de l'alimentation de la ville de Douala, l'augmentation de la capacité de transformation et l'amélioration de la viabilité des installations. Restons toujours avec Mireille Siabdi pour parler à présent de ce portail électronique désormais disponible pour le commerce camerounais. Il s'agit justement du Cameroun Trade Portal qui a été présenté hier aux opérateurs économiques en présence du ministre du Commerce, Lumagloa Margara Tangana. Le projet, qui est l'une des résolutions du Cameroun Business Forum, vise à faciliter les échanges commerciaux et attirer les investisseurs. Le Cameroun tient désormais son portail des opérations du commerce extérieur. Cameroun Trade Portal, ou plateforme de l'information commerciale au Cameroun, est un projet conçu par les ingénieurs du guichet unique des opérations du commerce extérieur. Présenté comme un instrument dans le processus de facilitation des échanges, ce portail, loin d'être un gadget, se veut être une véritable vitrine du Cameroun à l'extérieur. Le pays se vend sur la plateforme à travers plusieurs rubriques, à savoir Cameroun, procédure, documentation, services en ligne, statistiques et bien d'autres. Nous sommes à rechercher, au titre de l'émergence, à rechercher des partenaires et attirer des investisseurs dans tous les secteurs dans notre pays. Il est donc important que les règles du jeu soient transparentes de manière à résoudre aussi ce problème qui a souvent fait que des investisseurs s'éloignent des problèmes de gouvernance. Facile d'accès, le portail aux couleurs nationales est accessible à partir de tout appareil électronique, peu importe l'endroit où l'on se trouve, avec un service Digent. Le Cameroun Trade Portal est l'une des résolutions du Cameroun Business Forum. Parlons à présent de notre série consacrée à la Journée internationale de la femme. Il s'agit pour le compte de cette année de la 33e édition. Nos reporters ont fait le tour de quelques marchés à Don Rigoche, la capitale économique, particulièrement le marché central où l'on a noté la disponibilité des uniformes. Pour ne pas avoir de grandes pertes, les prix de ces pagnes sont au fur et à mesure que l'on approche du 8 mars est revu à la baisse. Le constat a été fait par Inès Pangan. Objet de toutes les convoitises des dames, apprécié de plusieurs, mais aussi objet de mésentente entre commerçants et acheteuses, la raison principale, le prix, supérieur au contenu de la bourse de plusieurs dames. Non, ça intéresse beaucoup les femmes, mais ils discutent le prix, mais à manière aussi que nous, on a payé, c'est cher. Il propose 2500, 2000, 1500 même. Et bon, nous on voit qu'avec le prix d'achat, ça ne donne pas. Bon, vraiment c'est fort, on peut faire l'essai. Il y a trop de clients, mais il n'y a pas d'acheteurs. Le marché est dur. Et les clients, quand ils viennent sur le marché, eux proposent 2500 et 1500. Et pour 4000 et 3500. Ça dépend. Il y a des cabas, c'est des 1500 en allant pour les enfants. Pour les enfants, 1500. Les adultes, ça commence à 3500, 4000, 5000, 6000, 7000. Comme pour une denrée hautement périssable, des stratégies sont vite trouvées par ces commerçants du marché central de Douala pour que les pertes ne soient pas très grandes. Ce 7 mars 2018, à quelques heures du 8 mars, Journée internationale de la femme, c'est à la criée que les clientes sont recherchées et même jusque-là. Comme par exemple, c'est maintenant au prix. D'ici vers 16 heures comme ça, ça va changer un peu de prix. Et à partir de 18 heures, on va commencer à solder. Jusqu'à demain. Ok. Bon, s'il y a resté par exemple le 9 mars ou le 10 mars comme ça, on va seulement solder, même à 2000, même à 2500, solder comme ça.
Stratégie similaire appliquée à quelques mètres de là, dans les ateliers de couture. Le présentoir, affiche du magasin, doit user de tous ses charmes pour appâter le maximum de dames avant ce 8 mars. Elle s'appelle Maïmouna Molé Moussa, épouse Karl John Day, signe particulier. Depuis 2013, elle est sous-préfète de l'arrondissement de Garoua 3e dans la région du Nord Cameroun. Malgré un environnement hostile, elle a su se faire accepter même des plus sceptiques. Son portrait, c'est dans ce reportage que nous présentent nos correspondants depuis cette partie du Cameroun. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle détonne dans le paysage septentrional. Du haut de ses 35 ans, Maïmouna Molé Moussa, épouse Karl John Day, est un administrateur civil. Peul de souche et princesse du Lamida de Meganga, ce n'est certainement pas sur ce terrain qu'elle était attendue. Ça n'a pas été facile dès le début, lors de ma nomination, comme chef d'unité administrative. Et vous pouvez comprendre au regard du poids des traditions qui pèsent encore dans cette partie du territoire national. Il y avait quelques sceptiques lors de ma nomination ici. On ne comprenait pas très bien ce qu'une femme pouvait faire à la tête d'une unité administrative, parce que les femmes encore sont reléguées au second plan. Malheureusement. Mais à force d'abnégation, de courage et de savoir-faire, elle a su se montrer indispensable et se faire accepter de tous. Elle est même installée là pour nous, elle ne pas pour une autre personne. Dieu l'a envoyée pour nous seuls. Vraiment, mon frère est ici très content, ici très fier d'elle. C'est une femme qui est simple parce que de sa résidence pour le service, elle vient même parfois à pied. Elle entre dans son bureau, elle demande juste ce qu'il y a à lui de faire. Maïmouna Molé Moussa a une vision pragmatique du rôle qui est le sien au bureau comme à la maison. J'assume mes responsabilités. Je suis une femme, il est vrai, j'ai plusieurs casquettes, mais qui ne m'empêchent pas de faire mon travail. Je suis une mère, je suis une épouse et puis je remplis toutes ces missions-là de telle sorte qu'il n'y ait pas un côté qui soit faible. Parce que mon rôle aussi c'est d'encadrer mes enfants. Journée internationale de la femme, l'édition 2018 se célèbre dans un contexte où les femmes sont de plus en plus nommées à des postes stratégiques, cap à présent à l'ouest du pays, où une femme prend désormais les rênes de l'agence départementale Elecam MIFI. Et reportage Alexis Bimouf et Fleur Ekemier. Installée officiellement comme chef d'agence départementale d'Elections Cameroun de la MIFI il y a de cela quelques jours, Madame Damdjane Elise Mandji, au départ passionnée du métier de journalisme, retrace le parcours l'ayant conduit à Elecam. Après mon baccalauréat, je fais le concours de l'ESTIC. Je ne réussis pas à ce concours. Je me dis, bon, je veux rester dans le domaine de la communication. En déposant, deux semaines après, j'accouche et le jour que j'accouche, ce même jour, on m'appelle pour me dire de venir prendre service. Mariée et mère de trois enfants, la chef d'agence de l'Elecam MIFI ne ménage aucun effort pour allier la vie de mère, épouse et sa profession. Je parviens à m'organiser pour y parvenir. Je m'organise à me réveiller à 4h du matin, 4h30. Tous les jours. En cette période où se célèbre la 33e édition de la Journée internationale de la femme, Elise Damdja appelle la gente féminine à oser pour mettre un terme aux discriminations sexistes dont elles sont victimes au quotidien. Les femmes ne doivent pas baisser les bras, elles doivent être courageuses et vaillantes. Ne vous dites pas toujours que je suis une femme, je ne dois pas, c'est le travail des hommes et tout. Le même jour que j'ai donné naissance à ma première fille, on m'a appelée pour commencer.
commencé le travail à l'ECA. J'avais accouché à Douala. Et ce même jour, j'ai pris la route pour me rendre dans la région de l'Ouest pour prendre service. J'ai constaté que beaucoup de femmes pensent toujours que tel travail est fait pour l'homme. Titulaire d'une licence en lettres modernes anglaises et d'une licence professionnelle en communication option publicité, Élise Damdia porte à 3 sur 8 le nombre de femmes chefs d'agence départementale dans la région de l'Ouest. Vivement que la parité genre soit. La journée internationale de la femme a une histoire. Elle se fait entendre au début du XXe siècle par des luttes ouvrières et de nombreuses manifestations de femmes qui réclamaient alors le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. Comment cette journée a-t-elle évolué à travers les âges? Et le monde de réponse dans ce reportage. Tout part des luttes ouvrières et de nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. C'est alors une journée de manifestations à travers le monde, l'occasion de faire un bilan. Aujourd'hui, la journée des femmes reste d'une brûlante actualité. La problématique de l'égalité entre les hommes et les femmes demeure une équation difficile à résoudre. La quête pour l'équilibre reste permanente. Au Cameroun, cette idéologie d'égalité continue d'être un sujet majeur et même si au fil des années, les femmes reconnaissent qu'une place de choix leur est progressivement accordée dans le sérail gouvernemental, dans l'armée et autres administrations, il est aussi clair que pour ces dernières, la Journée internationale de la femme est l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer des actes de courage et de détermination par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire du pays et de leur communauté. C'est aussi l'occasion d'organiser des tables rondes, des forats pour discuter des problèmes des femmes au quotidien et trouver des consensus. Et puis, en bref, nous y reviendrons d'ailleurs sur cette actualité sportive demeure. Les premiers pensionnaires de l'Académie nationale de football sont connus après la phase de sélection qui a duré 18 jours. 600 jeunes de la catégorie de moins de 13 ans ont été retenus pour la première cuvée de cette académie. Une phase de sélection qui n'a pas été facile selon le directeur général de la NAFOOT, Karl Enongadjou, qui était face à la presse ce jour à Yaoundé. Et comme nous le disions, nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette brève en sport que nous mettons un terme à ce énième rendez-vous d'information en langue française sur Spectrum Télévision. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même chaîne. Mais déjà, prenez rendez-vous tout à l'heure à 20h avec Véronica Adji. J'y arrive enfin. Restez fidèles, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous et à toutes.